Le professeur Didier Raoul vient de parler de bonnes nouvelles. L'épidémie de coronavirus, comme on avait commencé à le voir, prend une forme de cloche qui est très banale, hein, dans les maladies virales. Vous voyez, ça c'est le nombre de cas hebdomadaires que nous voyons ici à Marseille, qui a cette forme de cloche très typique, mais qu'on a tous les ans avec la grippe, le virus respiratoire syncytial. Et donc, on pouvait toujours imaginer que cette maladie allait se comporter différemment, mais en réalité, elle se comporte comme toutes les autres. Vous voyez, ça c'est une projection qui est faite par les gens de Singapour sur l'évolution en France, qui prédit avec justesse ou non, mais enfin, les prédictions, c'est toujours la limite, c'est toujours un peu difficile à déterminer, que dans le mois de mai, ceci devrait s'arrêter. C'est une courbe, on l'avait vu la dernière fois, qu'on observe aussi en Chine. Vous voyez ici en Islande, qui sont les gens qui ont le plus testé de gens, la proportion de la population la plus testée au monde, c'est l'Islande. Et cette forme en forme de cloche aussi. Voilà, l'histoire de ce rebond, là, je ne sais pas d'où ça sort, mais enfin, ce n'est pas les maladies virales respiratoires qu'on connaît, elles n'évoluent pas en dos de chameau, elles évoluent en cloche. Voilà. Donc c'est une forme banale. Encore une fois, l'avenir est toujours imprévisible, mais globalement, ça ressemble à une forme banale et on voit qu'on s'approche de la fin de la situation, les réanimations se vident, la mortalité diminue avec un délai, hein. Mais tout ça est en train de disparaître. Personne ne sait si ça réapparaîtra l'année prochaine, si il y aura un nouvel épisode ou pas. Tout ça, c'est des prédictions. Bien sûr, je suis bien incapable de faire des prédictions de cette nature. Puis le seul réservoir qu'on connaisse, c'est un réservoir d'animal sauvage. Et donc, la chance que l'on reparte avec un réservoir d'animal sauvage est beaucoup plus rare que celle d'animaux d'élevage, comme c'est le cas pour la grippe, où on a les poules et les porcs qui s'échangent le virus et qui finissent par créer des mutants qui nous affectent. Moi, j'ai toujours pensé que c'était juste une question de temps. Si vous voulez, les Chinois ont beaucoup communiqué sur ce problème-là parce qu'ils étaient très en avance et ils finissent par sortir petit à petit toutes leurs études. Toutes leurs études montrent que, un, le médicament de Gilead sur lequel la France a beaucoup misé, qui est le Remdesivir, ça ne marche pas. Donc, vraiment une énorme étude multicentrique qui a été faite contre placebo, qui montre que ça ne marche pas. Immédiatement, celui qui est le leader de ce test aux États-Unis, enfin aussi sans le moins de publication, a dit si, si, ça marche, mais ça ne permet pas de sauver de vie. Donc, on sait maintenant, aussi bien sur l'étude des États-Unis que sur l'étude chinoise, que le Remdesivir ne permet pas de sauver les gens. Il n'y a pas de différence dans la mortalité. Ce n'est pas un médicament qui sauve les gens. Donc c'est une chose. C'était déjà vrai sur le lopinavir, qui était la deuxième branche qui avait été testée ici. Ça ne sauve pas les gens. Donc c'est deux médicaments qui ne sauvent pas les gens. Le troisième point qui se passe, c'est alors et les autres à base de chloroquine. Pour l'instant, ce que l'on voit, c'est qu'il y a un gros travail qui a été fait en Chine, encore une fois, sur plus de 500 personnes chez des malades très affectés, avec une mortalité très lourde, et que dans ces conditions, la mortalité était divisée par deux. Donc c'est les seuls pour l'instant à avoir des résultats significatifs sur la mortalité. Un énorme travail vient aussi d'être publié, qui confirme ce qui avait été dit par le professeur Zhang depuis le début, c'est que quand on donnait de la chloroquine à 500 mg ou à 1 gramme par jour, on améliorait de manière significative les signes cliniques et on faisait disparaître le virus beaucoup plus rapidement que quand on ne donnait pas de chloroquine. Donc c'est des études qui sont énormes, basées sur beaucoup de gens, qui montrent ce que nous, on savait déjà, qu'on avait bien compris, c'est que la chloroquine et l'hydroxychloroquine ont un effet antiviral et un effet aussi anti-inflammatoire. C'est la raison pour laquelle ils sont utilisés, qui fait que c'est probablement le seul groupe de médicaments qui peut jouer un rôle au début de la maladie et à la fin de la maladie, c'est-à-dire quand il y a des virus et quand il n'y en a plus, il y a une réaction inflammatoire. Et il y a un travail qui a été fait, donc je ne sais pas s'il est déjà publié ou pas, qui montre que les pays qui ont utilisé la chloroquine ou l'hydroxychloroquine comme traitement ont eu une évolution de la dynamique des morts plus lente que les pays qui n'ont pas voulu l'utiliser, ce qui explique peut-être pourquoi les pays d'Extrême-Orient et les pays du Sud ont eu moins de morts que le
l'Europe et les États-Unis qui ont un nombre de morts qui est extrêmement plus important que les autres pays. Voilà, donc c'est le point sur les traitements, de manière tout ça se mettra tranquillement en place petit à petit, et on verra bien une fois qu'on aura la synthèse de tout ça, mais je n'ai pas beaucoup de doutes sur le résultat, je n'en ai pas depuis le début. Donc la mortalité en fonction de la prise en charge et du nombre de patients que l'on teste dépend beaucoup, elle varie. Chez nous, par exemple, on a chez les gens qui sont traités par hydroxychloroquine et azithromycine, on a une mortalité très basse qui est de l'ordre de 0,5%, qui est très très basse. Mais il y a l'équivalent en Islande où il y a eu une prise en charge très très tôt, un test massif de population, et pareil, une mortalité qui est de cet ordre-là. Si on regarde dans l'ensemble, nous, chez nous, parmi tous les patients qui ont été hospitalisés, qu'ils soient traités par hydroxychloroquine, azithromycine ou non, certains avaient des contre-indications, etc., eh bien, il y a eu un seul mort de moins de 65 ans. Donc on voit que le risque dans la population qui n'a pas de facteur de risque, que ce soit l'âge avec l'hypertension, le cancer, de mourir est extrêmement faible. Donc ce n'est pas une maladie très grave, à part chez les gens qui déjà étaient très touchés par les autres infections virales respiratoires. Donc tout le délire autour de la gravité monstrueuse de cette maladie est aussi une autre forme de délire déraisonnable. C'est pas vrai, bien entendu. C'est les gens qui étaient déjà âgés, qui avaient des autres pathologies. On sait que beaucoup l'hypertension, le diabète jouent un rôle important. Mais globalement, c'est pas... ça ne présente pas à la fin une surmortalité particulièrement exceptionnelle. C'est grave chez les sujets qui sont déjà à risque. Il fallait essayer de détecter le plus tôt possible et traiter le plus tôt possible avant qu'ils aient des insuffisances respiratoires très importantes. Chez les enfants, ici, il y a eu 150 enfants qui ont été hospitalisés. Un travail qui vient d'être soumis. Il n'y en a aucun qui a présenté de grandes difficultés. Donc, si il existe des formes exceptionnelles de gravité chez l'enfant, c'est bien possible. Enfin, on ne les a pas vues ici, donc c'est probablement pas extraordinairement commun. Et donc voilà, la contagiosité de cette maladie ne paraît pas non plus aussi extraordinaire que ce qu'on disait. On peut estimer, probablement sur les données préliminaires que nous avons, les données préliminaires des pays dans lesquels on a réalisé beaucoup d'évaluation, que peut-être 3% de la population a été touchée. C'est beaucoup moins qu'une grippe, par exemple. Donc la contagiosité n'a probablement pas été extrême. Elle est probablement de plus en plus basse, puisque là, on est en fin d'épidémie. La mortalité a été relativement modérée. On verra, on fera le point quand tout sera disponible. Bien entendu, on peut faire tomber la mortalité si on détecte les gens et qu'on les soigne. Si on les laisse mourir, il y a plus de chances qu'ils meurent que si on les traite. Voilà, mais donc globalement, c'est ça. Je vous rassure, on n'a eu aucune toxicité avec l'hydroxychloroquine, mais là non plus, on n'attendait pas qu'il y ait une toxicité, c'était un fantasme. Je ne sais pas d'où il est parti. Est-ce que c'était juste un fantasme pour promouvoir le Remdesivir ou pour ne pas vouloir reconnaître qu'on n'avait pas pris cette option? J'en sais rien. Et c'est pas raisonnable. Ce qu'on a redécouvert à cette occasion aussi, c'est l'importance des scans. Des scanners low dose pour ne pas irradier trop les gens et avoir des scanners. Il y aura une réflexion certainement du pays à avoir pour avoir un équipement en scanner suffisant. On est un des pays qui a le plus bas niveau d'équipement en scanner. Il faudra bien rattraper ce bas niveau d'équipement si on veut passer à une approche moderne qui est de remplacer la radio du thorax banale par des scans low dose qui permettent de voir les choses. Et donc la phase dans laquelle nous on est rentré, en dehors de l'analyse et de la publication de toutes nos données, on a la plus grosse série mondiale de patients traités avec le coronavirus, donc très bien, on va sortir ça, notre série déjà, qui est déjà la plus grande, sur 1000 patients, bien être accepté. Et puis, nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est les séquelles. On sait que dans le SARS, il y avait jusqu'à 20% de gens qui avaient des insuffisances respiratoires après avoir fait une pleuropathie. Nous, on a trouvé avec le scanner que 65% des gens qu'on disait asymptomatiques avaient des lésions au scanner, donc qui n'ont pas été diagnostiqués. Et donc, chez nous, les gens qui ont été diagnostiqués avec un Covid, qui avaient déjà des images au scanner, on veut les revoir pour voir s'il y a une évolution
vers une insuffisance respiratoire et vers des images spécifiques qui ont été vues chez les gens qui étaient en réanimation, mais qui sont plausibles aussi chez les gens qui avaient des formes qui cliniquement n'étaient pas très parlantes, mais qui avaient des lésions qui étaient visibles sur le plan du scanner. Et ça, c'est notre prochaine étape, c'est d'essayer de faire le point sur les séquelles de ça, de les détecter, de voir s'il y a des traitements à leur donner, parce que c'est ça la suite de l'histoire. C'est plus l'épidémie d'infection aiguë, c'est les séquelles des gens qui ont été infectés.